Pour la suite, et d'ailleurs je viens de me rendre compte parce que là j'ai dormi, je suis en forme et tout ça, que là on est dans une zone multijoueur. En fait c'est comme Division, je viens de m'en rendre compte. J'espère juste que je me suis pas fait picouser comme Division 2, parce que j'étais vraiment déçu. Y a intérêt parce que je vais pas être content. Je vais pas être content et je vais fermer ma gueule parce que ils reprennent pas. Allez, on va continuer sur la trame principale du jeu. En off, je ferai les trucs secondaires. Hey les gars, comment ça va? On est les seuls survivants de l'hélico. Pas de radio, pas de drone. À nous deux, on n'a que deux fusils et 8 magasins. Les gens du coin ont de l'eau. Et des provisions. Franchement, c'est dingue ici. Vous trouvez pas? Je suis sur le cul. Ouais. Ils sont accueillants, plus ou moins. Même s'ils nous ont à l'œil, forcément. Vous savez ce qui nous a touchés? J'en sais rien. Mais on a clairement des ennemis dans le secteur. J'ai croisé des troupes dans le coin qui se surnommaient les Wolves. Tu sais à qui on a affaire? À moi, pour commencer. C'est toi qui commandes ici? T'es qui, toi? Indicatif nomade. Je suis l'officier supérieur de cette opération. Par opération, tu veux dire ce ratage intégral, j'imagine. Alors, Matt, tout se passe bien? Je cherche à comprendre pourquoi une brochette de soldats nous tombe tout cuit du ciel, chérie. Quelqu'un a coulé un cargo de la Navy au large d'ici. Et puis tout l'archipel d'Oroa a cessé d'émettre. On nous a envoyé tirer tout ça au clair. Et tout d'un coup, nos hélicos se sont fait descendre. J'ai perdu près de la moitié de mes hommes. Autant qu'on sache, il y a eu une sorte de coup d'état militaire. Sentinelle, la société militaire, ils ont placé cet endroit sous la loi martiale. Et ils n'y sont pas allés de main morte pour la faire appliquer. Skelltech produit toujours du matos high-tech sans broncher. Sauf que maintenant, c'est surtout des armes. Ce n'est pas ce que Jayskel et son utopie libertaire nous avaient promis. Où je peux trouver Jayskel? Ah, le chef de Skelltech en personne. On ne l'a jamais vu, mais ses drones espionnent ces îles à sa place. Tu penses qu'il est mêlé à ça? Oui, mais pourquoi? Très bien. Je rajoute ça à ma longue liste de questions en suspens. Maintenant, je peux voir nos blessés? Oui. Un de vos gars a besoin de repos, mais il n'arrête pas de gueuler. Calmez-le, ok? Ensuite, revenez me voir. Je vous ferai une visite guidée. Oh là là, le beau gosse. T'as une touche, mon frère. T'as une touche. Quand il a dit chérie, je pense que c'est juste sa fille, hein. C'est pas... Par contre, les objectifs sont très discret ici. T'as pas eu de soucis avec les barrages? Non, heureusement. Il paraît qu'il y en a qui sont piégés de l'autre côté. Et par le calmer, je vais lui coller une droite. Holt. Hey. Comment ça va? Nomade. Et qui d'autre? Qui y est resté? Détends-toi, ok? Je fais tout ce que je peux. T'es un putain de super-héros. Tiens. Voilà un autre super-pouvoir. Oh.
Je trouve pas Midas. Mais Weaver... Je veux que tu te reposes. On s'occupe de tout. Le Wasp? Ouais. À cause du blackout, le navire ne répond pas. Je vais parler à Matt Schulz, le grand là. Peut-être qu'il pourra me prêter un bateau. T'en fais pas, je ramène des renforts. Vas-y. Mission accomplie. Maman, les bras qu'il a quand même, je viens d'y repenser. Eh oui. Un havre de paix, c'est le haut fait qu'on vient d'avoir. Dingue. Alors, parler à... je sais pas quoi, là. Elle est là-bas. Du coup, là, j'ai un petit bonus de 10% d'XP. Plus la compétence passive de 20, ça me fait 30%. Mais ça le fait à tout le monde. Donc... Eh bien, trouver un moyen de quitter l'île. Comment va ton pote ? Il tient le coup. Merci de l'avoir soigné. Ça te dit quelque chose, un lieutenant Cohen ? Oui, il bosse avec les troupes qui sont appelées les Wolves. C'était le conseiller militaire de Skelltech. Un agent des forces spéciales. Tu le connais ? Ouais. On s'est déjà rencontrés. Toi, t'as un regard mauvais. Tu prépares un sale coup? Tu sais comment je peux quitter cette île? Ouais. Alors comme ça, tu veux nous laisser pourrir ici, hein? Auckland est à 2000 bornes d'ici. Ça en fait du chemin à parcourir, la queue entre les jambes. Je veux pas fuir, Mads. L'USS Wasp est à une vingtaine de kilomètres de la côte. Si je peux l'atteindre, je pourrais ramener des renforts. Le Wasp, hein? Je sais pas vraiment si j'ai envie de voir débarquer des matelots sur notre île. Il y avait aussi des Marines à bord. Ah bon? Eh ben dans ce cas... Écoute, je vais être franc avec toi. On sait qu'on n'a aucune chance contre des anciens Spec Ops. Alors certains de nos amis autonomes et employés de Skell veulent quitter l'île à bord de deux bateaux. Tu peux les protéger sur le Wasp? Sans problème. D'accord. Je vais te dire où sont les bateaux. Et bien sûr, ça va pas être facile. Alors, quitter. Ok, je vais juste faire. Non. Non. Hop.
Ouais, ok. Je pense avoir reçu une arme, non? J'avais pas reçu une arme tout à l'heure? Merde. Bon, j'apprendrai à m'en servir plus tard de toute. Donc, il faut que je rejoigne. Faut que j'aille là-bas. Ça, c'est une quête secondaire là qui clignote. Merde, c'est en haut ou c'est en bas? En bas. Ah bah oui, quitter le camp. Non, quitter l'île, ok. Mais oui, il faut sortir du camp du coup. CQFD. Ce qu'il fallait démontrer. Ok. Eh bien. Mode de jeu Ghost Recon Breakpoint propose deux façons de jouer, le mode guidé et le mode exploration. Mode guidé. Le mode guidé est actif par défaut, les objectifs sont indiqués sur votre carte. Le mode exploration, vous collectez des indices pour trouver vos cibles. Parcourir le tech map, la tech map pour poser des balises à l'emplacement que vous avez identifié à l'aide des indices. Utiliser cette touche pour passer tout le mode guide. D'accord. On va rester en mode guidé, va. J'ai pas envie de faire le fou. Ok. Là-bas. Engage. Monter. Ok, on monte. Ça c'est cool. Au moins on n'a pas à se taper les trajets en voiture. Tu sais, parce que conduire la voiture, j'en peux plus. J'en ai vraiment marre. Ah putain, c'est pas à côté. Bon, je coupe, je vais faire quelques petits trucs à côté par-ci par-là, le temps que j'aille là-bas et quand je vais remettre la vidéo, je vais être niveau 10. Bon, vas-y. Ok, bon, entre-temps, j'ai pris quelques levels. Allez, on arrive. Ouais, l'hélicoptère s'est trashé, je viens de me rendre compte. Enfin, j'ai appris à mes dépens qu'on pouvait se faire tirer dessus. Ce qui était évident. Ok. Non. Qu'est-ce quoi que... Ok, ça c'est fait. Ah merde, il bug. Bon, ça va rester entre nous. On va aller faire les deux autres coffres là-bas. Ah d'accord, ok. Elle est mieux que celle que j'ai. Je crois que on va rester comme ça. Allez, go, 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 go. Papa? Ne nous faites pas de mal, je vous en prie. Ah, je devais être là. Je vous veux aucun mal. Machos m'envoie pour sembler pas aux autonomes. Machos. Je travaille pour Skelltech. Mads est un ami. Quand Sentinel Corp a commencé ses rafles, il nous a aidés.
pourquoi il vous envoie? Mon hélico a rejoint cette île depuis un navire militaire à une vingtaine de kilomètres de la côte. Je peux conduire ces bateaux jusque-là et revenir avec des renforts. Waouh, c'est clairement plus prometteur que de rejoindre Auckland dans ces embarcations. Il est arrivé quoi, votre hélico? C'est ça que je veux savoir. Vous l'avez laissé dans le coin? Maurice Fox. Et voici ma fille, Harmony. Ravi de vous rencontrer. Moi, c'est Nomade. Et au fait, on a rencontré un autre soldat. Il disait s'appeler Hill. Josiah Hill? Il est là? Non, il nous a aidés à contourner des hommes de Sentinelle, mais il était blessé. Enfin, rien de grave. On l'a laissé dans une espèce de cabane de pêcheurs, près d'un lac. Ça tombe bien, je sais de quoi vous parlez. J'irai le chercher après mon retour. Du coup, par le bateau, c'est foutu. En fait, c'est une sorte d'essaim de trucs technologiques. Merde, c'est reparti. Tout le monde à couvert! Sérieux? Voilà, le conducteur va faire un sac pour lui. Contact! L'ennemi est dans le secteur! Dans les roupignoles, dans la quiquette. Ah, tu fais plus la maline, Harmony. C'est quoi ce bordel? Une minute. Mon Dieu. Tous ces gens. Ça doit être un nouveau programme de sécurité. Sacré bon sang de bonsoir. J'imagine que... Je suppose... Rien ne peut plus entrer ni sortir de l'île tant qu'il est activé. C'est sûrement ça qu'a abattu mon hélico. Je veux rentrer à la maison. Moi aussi, ma chérie. Écoutez... Vous devez évacuer, vous et tous les gens qui sont ici. Quoi? Personne va venir vous sauver, y a pas d'ambulance en route. Barrez-vous, à Erewhon. Ok, oui, d'accord. Oh, vous nous accompagnez? Je vais retrouver mon ami Hill. Cette cabane où vous l'avez laissée, c'était une position de repli, y a peut-être d'autres soldats là-bas. Bonne chance. J'espère que c'est pas des ennemis là. Tous ceux qui sont autour morts de rire, quoi, ils me lâchent plus, quoi. Je vais taper un sprint. Wow, 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 wow. Il est où? Oh putain. Heureusement que j'avais une compétence de... Nouvelle mission, heureusement que j'avais une compétence de... Merde. Compétence de classe. Pourquoi est-ce que j'ai un truc... Il y a encore un niveau, oh putain quoi, je les compte plus. Ok, je vais prendre le coffre là-bas. Et il déconne un petit peu le jeu quand même. Je vais prendre un véhicule et je sais où que je dois aller. Mais merde, ça c'est le drone. D'accord, j'ai même pas affiché la quête suivante. Donc on va hop
Hop, on va changer un petit peu ce qu'on a à changer. Hop. Tcha-tcha-tcha. Allez hop, on s'en fout. J'ai un petit truc à faire dans le truc du style. Mes gants. J'en veux pas. Voilà. Les chaussures. Je vais garder mes petites Ranger. Pantalon, je reste comme ça. La casquette, elle ressemble à quoi? Ok. Ok, allez, on va aller dans les objectifs maintenant. Mission. Ah, c'est... D'accord, elles sont scindées en deux. Eh bien, on va faire lui. Oh putain, 150 plus. Ok, d'accord, ce sera plutôt vers la fin. Hein. On va pas... Hop. Ah oui, lui, il rigole pas. C'est vraiment le gars qu'il faut... qu'on fera vraiment à la fin. Quoi. Non, 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 non. Putain, faut vraiment faire gaffe à la porte qu'on prend. Quoi. Allez, hop. Donc, juste par curiosité, où est-ce que je dois aller? Là. Là. Au passage, je vais aller faire ce truc. Oh non, merde. Je peux pas. Bon, on se retrouve là-bas. Allez, hop. Ah, attendez, attendez. Je vais pas remplir ma gourde. Non, remplir d'eau. Non, ok. Attendez, quoique. Ok, je peux pas. Peut-être qu'il est mort, hein. Non, putain, non, c'est pas trop mon délire, ça. Ok, là-bas, on a... Oh, putain, on a le feu de camp. Hey, Reine Rouge. Lapin blanc. Nomade. Josia. Bon dieu de merde. Au moins qui est encore vivant. D'autres survivants de ton hélico? Quelques-uns. Mais on est dispersés. Respire. Putain, on a bien bien merdé sur ce coup-là. Josia, j'ai vu Walker traquer nos hommes. T'as vu qui? Le lieutenant-colonel Walker. Cole Walker. Ici. Contre nous. Non, j'y crois pas. C'est ce que j'ai vu. Allons. Qu'il brûle en enfer, ce sale con. Je croyais que c'était ton ami. Ça, c'était hier. Aujourd'hui, c'est le connard qui bute mes soldats. Bon, comment tu vois les choses ? –
Soit Walker a coulé ce cargo, soit c'est quelqu'un avec qui il bossait. Regarde. Enquête, vous venez d'obtenir une information qui peut résoudre une enquête. D'accord. Voilà l'action ici. Voici les indices que vous avez récupérés. Appuyez ici pour résoudre l'enquête. Voilà. C'est Jergo. Merde. Tout ce qui se passe ici, c'est la faute de ce connard. Je vais localiser Skell. J'ai croisé des employés de Skelltech, je vais leur demander des infos. Moi, je vais rassembler les survivants. Jonction, au point de rendez-vous Delta. Ça marche. Ok. Bon, on va s'arrêter. Petite pause, moi je vais aller manger. En plus, je me suis fait des pâtes chinoises. Vraiment fait maison, légumes, sautés, crevettes, viande hachée, tout. Viande blanc de poulet, pardon. Je suis un vrai survivant. Bon, allez, on se dit à tout à l'heure. Je vous aime. Ciao!